Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite réaction de trailer à ma compagnie. Donc là aujourd'hui on va réagir donc à Minecraft, le film avec Jack Black et Jason Momoa. Enfin, on va voir ce que ça peut donner. Moi en vrai je suis sûr que ça peut être très drôle, ça peut être sympathique à regarder. Après moi Minecraft je m'y connais pas trop, je connais pas trop le lore, je joue pas trop au jeu, mais je sais que le délire peut être assez marrant, assez rigolo. Donc, bon, bah, il y a un exemple, par exemple, Super Mario Bros. Vous allez me dire quel rapport entre Super Mario et puis Minecraft. Et bah, le fait qu'ils ont créé donc, le même style de système de Lego, en quelque sorte, parce que ils ont fait des Lego Mario, ils ont fait des Lego Minecraft, et je trouve que les deux sortes de collections sont en quelque sorte similaires. Il y en a qui vont dire ah bon, ah bon. Et sinon, bah, on va réagir directement, bah. Ah, c'est pas un non, c'est moi je peux me dire que ça peut être un très bon délire, hein, moi, mais en vrai, voilà, il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter. Je n'en attends pas trop non plus, je m'attends juste d'être un peu diverti, à voir ce que ça peut donner. Du coup. Oh! Oui, donc c'est avec de vrais acteurs, du coup ils sont en live. C'est là. Oh, leur tenue! Waouh! Ah ouais, c'est un très bon délire! Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, cette espèce de cube. Waouh! Mais qui es-tu, toi? Steve. Ok. This guy is such a tool bag. Donc vous avez vu, il m'en fallait pas beaucoup pour que je rigole. Bah, en même temps, c'était assez spontané, c'était sur le moment. Mais ça promet d'être, comme je l'ai dit, assez rigolo, assez sympa. Est-ce que si on peut dire que c'est aussi un film familial et qu'on pourrait pas forcément l'apprécier en d'autres circonstances? Encore une fois, moi je dis que tu dois apprécier un film pour ce qu'il est, peu importe si tu vas le voir avec tes gosses. Genre par exemple, moi je suis allé voir Moi, Moche et Méchant 4 et, cet été, et puis j'avais la flemme de faire la critique parce que c'était un moment. Pendant mes vacances, mais j'avais la flemme de faire la critique, mais je me suis dit typiquement qu'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que j'ai grandi, j'ai vieilli, parce que j'ai pas vraiment apprécié le film, ou est-ce que c'est vraiment un film que j'aurais pu apprécier, mais sans plus, voire même pas du tout, si je l'avais vu donc avec plus tard, bien plus tard, quand j'aurais des enfants, et que mes enfants, eux, auraient rigolé au prout-prout de banana, tout ça, et moi j'aurais dit, ouais, mais au moins mes enfants s'amusent, donc moi je m'amuse avec mes enfants, alors qu'encore une fois, bah, encore une fois, ça peut être un bon film de divertissement, un bon film que je pourrais voir seul, parce que quelquefois, soit je les vois seul, soit je les vois en famille, les films. Mais c'est vrai que Minecraft, c'est pas spécialement un film que j'attendais, mais ça promet quand même d'être drôle. Moi, j'ai rigolé de manière spontanée en réagissant. Donc je me dis, ah, ça peut être sympathique, ça peut être bien, mais je sais, ouais, je peux, ça peut être cool, ça peut être bien. Ouais, tout simplement, ça, tu vois. Bah après, c'est au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, pareil, c'est des choses qu'on va retenir, c'est surtout bah, l'intrigue. Après, si on a passé un bon moment devant, bah, tant mieux. Vous avez pensé, donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle petite vidéo en critique et réaction en ma compagnie.